Les fantômes existent-ils vraiment? Ou sont-ils seulement le fruit de notre imagination, de nos peurs ou de notre envie de vue sur YouTube? Équipés de nos caméras et de notre matériel, on se rend dans des lieux hantés, dans des lieux insolites ou des habitations susceptibles d'être des cinémas qui ont diffusé Paranormal Activity. Et on tente de faire la part des choses entre la réalité et l'illusion. Et toujours avec respect et tolérance. Parce que ce n'est pas de la fiction. Je m'appelle Devil Dark Otaku et vous allez partager avec nous notre expérience de trolleur de fantômes. On a oublié son nom. Alors elle s'appelle Donna White. Et rien de plus, c'est Donna White, quoi, allez-y. Commencez à injurier son nom. Où êtes-vous? Ah non, mais commence pas avec ça. Mais ça marche pas avec moi, de toute façon. Ça marche mieux avec moi. Où êtes-vous? Attends. Où êtes-vous? B. A. T. Elle est dans une salle de bain. Où, je sais pas. Elle est dans une des salles de bain. Excuse-moi, c'est quoi? Pourquoi? On va couper ça maintenant. Tu veux encore foutre par hasard? Elle est dans une salle de bain du coup. C'est là. David. C'est la première? Là. Moi j'allais vérifier d'abord celle du fond. Bon bah apparemment ça la trigger le fait qu'on lui demande où il est. Alors, d'abord. Merde. La lecture. Merde. La lecture. Ensuite, l'équipement. Audiovisuel. Faites bip. Ah oui, vient de marcher, c'est là. Faites bip. Pas de température glaciale. Bip. Beep, I'm a sheep, I said beep, beep, I'm a sheep. Beep, beep, I'm a sheep, I said beep. Oh, mais dis ça de celle-là. Désolé, j'en ai un peu renversé. Désolé, je sais que c'est cher, mais j'ai pas fait exprès. Du sel de mer, putain. En plus, du sel de baleine. Ça se sniffe en plus. Toutes les journées, une en haut. Il y en a combien en haut? Ah ouais? Une. Ah. Ah. Ok. Allez, on a combien? Il y en a 3, mais du coup vous êtes. Elle est là. Elle est juste au milieu de la pièce pour moi. Ah. Elle est passée à 4, mais elle est toujours pas à 5. Je vais prendre le micro parabolique gigantesque. Oh, ah bah je vais le prendre. Oh. Devil. Et un crucifix. Devil. C'est toi qui as pris bouffé. Quoi? C'est toi qui as posé la question de la Ouija? Oui. Oui. T'as bouffé. Eh ben, on sait que c'est pas un démon. Elle m'a mangé tout cru. Luc, est-ce qu'il y a eu des indices trouvés il y a pas si longtemps ça? Pas encore vu d'indice, moi. J'entends rien. C'est vraiment... Oh, on devrait trouver un nom de société pour notre société de chasseurs de fantômes. SOS fantômes. Des chasseurs de l'extrême. SOS fantômes, je pense que c'est pas pris. Bonjour, êtes-vous ici? Donnez-nous un petit. Êtes-vous présent? Êtes-vous vieux? Êtes-vous jeune? Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe! Donnez-nous un signe! Êtes-vous ici? Il suffira d'un êtes-vous signe! Jeune? D'un êtes-vous matin! Et pas, un matin tout tranquille! On va essayer de y en ait un pour un spirit box! Il fait bip! Non mais attendez, c'est incroyable, il doit être nickel à l'UV! Pourquoi est-ce que quelqu'un a retourné le. En fait, on est tous là, donc c'est pas la peine d'appuyer sur le. Beeper. Sur le radio. Êtes-vous ici? Alors, il n'y a pas d'écrit. Donnez-nous un signe. Je vais aller voir les arbres. Oula. Ah.
c'est ce qu'ils appellent. Non. Non, il y en a un qui est mort. Je crois qu'Akesta n'a pas survécu. Bon, c'est pas grave. Pardon. Pour l'album souvenir. Avoir un membre de votre équipe affecté à un événement paranormal, ce qu'on a vécu, c'était pipi ça ou... Ce qu'on a vécu, c'est une situation tout à fait normale dans une maison tout à fait normale. Ouais. Alors, attendez, on a pas de preuve. T'es pas obligé. Alors, je l'ai dit, on est tous à côté de toi, donc t'es pas obligé de parler dans la radio. Ah oui, je l'ai pardon. Dit Oui. Donc, nous avons quoi comme preuve, hormis l'orbe? Bah, c'est tout. Y'a. Ah, d'accord. Elle a fait bip bip, mais elle a pas dépassé le 4. Ok. J'ai pas l'impression qu'elle a écrit. On a pas de MF, on a pas de spirit et pas d'écriture. On a rien et Akesta est mort. Ça prend. Et je suis à 4%. On va passer une bonne soirée. En tout cas, elle a l'air très excitée au niveau de ses orbes. Bon. Imaginez, il y a 3 orbes. Appareil photo. Qu'est-ce qu'il faudrait? Un petit truc en plus. Les deux crucifix sont sur place, mais on dirait qu'ils ont été bouffés du coup. Ben non, parce que toi j'en vois un à l'entrée, il est encore en entier, je crois. Donc c'est qu'elle a. Mais je sais. En tout cas, j'ai regardé vers la porte. Elle a pas spawné directement devant la porte. Je crois qu'elle a spawné un peu plus loin dans la salle de bain. Parce qu'elle a mis du temps avant d'atteindre la porte et de me rejoindre dans les escaliers. Et c'est à ce moment-là que j'ai enregistré ses pas. Ok. On va tous prendre une pilule déjà. Je peux, même si j'en ai déjà pris une tout à l'heure. Bah, t'es à zéro, donc ouais, t'as pas le choix en fait. Ah, bah, y'en a plus qu'une de toute façon. Bon, bah, je vais monter à 30. Hein. Hop. Bon, ok. J'ai mon appareil, alors, qu'est-ce qu'il faudrait prendre? Les lampes UV sont là-bas. Les livres aussi. J'ai pris un thermomètre et un spirit box. Le thermomètre, tu peux poser, c'est pas la peine, y a pas de température glaciale. Et la spirit box, on en a déjà une sur place et quand il y en a deux, ça peut faire des interférences. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Donc, on va y retourner tous ensemble. Je vais claquer un bâton d'encens. Vas-y. Souvent, ça déclenche un MF5, donc on va aller voir ça. C'est ici. Ok. C'est quoi son nom? Je sais plus. Je sais plus. C'est Maria quelque chose. Ah non. De toute façon, quel âge avez-vous? Maria, moi. Attends, quel âge Lily, sors, laisse-le parler seul avec le fantôme pour voir. Ah. J'ai pas fermé la porte. Quel âge avez-vous? Qui êtes-vous? Montrez-vous. Je vais aller couper le disjoncteur parce que c'est peut-être Angel. Moi je vais boire du détergent en attendant. Êtes-vous nocif? Oh Teddy! Montrez-vous. Ah! Ah, Spirit Box! Okay. Hold. Spirit Box! N'est-ce pas Teddy? Spirit Box! Et j'entends que ça bip là. Allez, on va aller voir. Et moi maintenant, oula, elle a touché la porte. Là. Donc, hop, on va claquer l'encens. Attends, il est où le UV? Je retourne vers le camion voir si l'objectif paranormal a été réussi. Il est où l'UV? Il est où? Check, parce que là il a fermé des deux côtés. Là, empreinte. Ah, super, c'est un poltergeist. T'as un appareil? Ouais, parfait. Allez, on y va, c'est bon. Ok, moi, qu'est-ce que on a eu empreinte et spirit box. C'est un poltergeist. C'est un petit polter. Oh non, j'ai laissé Teddy dans la salle de bain. Et on a toujours pas l'os. Oh, je peux vérifier. Je peux vérifier, hein. 1 hour later.
c'est bon, Teddy m'a protégé. Tu as de l'os dans la salle de bain. Ouais, j'ai vu. Nickel. Merde, prends-le. Ok, maintenant voilà. Tu peux sortir parce que t'es à 0%. Je pars pas sans Teddy. Ouais. Et voilà. Allez, Marcel. Attendez, hop. Alors déjà, le nom de l'équipe, maintenant, ça va être Marcel et les Poussycats. Oh, j'allume une petite bougie pour la mort d'Aquesta. Bah, Aquesta m'a volé Teddy. Attends, allume ma bougie. Aquesta, éteins sa bougie, elle m'a volé Teddy. Attends, faut faire un deuil. Faut faire un deuil, les gars. Éteins sa bougie, elle m'a bouffé Teddy. Rends-moi Teddy, immédiatement. On s'en fout de ton Teddy. Tiens. Prends cette bougie. Et fais le deuil à Aquesta. Appuie sur F. Je vais le mettre là où elle pourra pas l'attraper, là-haut. Viens. Non, Teddy. C'est pour ta sécurité, monte. Voilà. C'est bon. Non. Allez, donc c'est un. Attends. Donne ton Teddy. Non. Donne ton Teddy. Non. Non, mais t'inquiète pas, je vais. Tu mettras pas le Teddy en hôtel. C'est bon, Teddy, regarde ma santé mentale. Mais non, t'inquiète pas, je vais lui faire un bouquin. Ma santé mentale, elle remonte grâce à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Appuie sur le bouton pour démarrer. Ah, t'es bloqué, toi. Au revoir. Salut. C'est la femme de David Jones, c'est Donna Jones. Oh, vous avez tous les pires trucs, quoi. Ouais. Alors, attends, c'est quoi ça? C'est nouveau, ça, les bougies? Oui, c'est nouveau. Il y a une donc, mise en fait, jour, les bougies... Oh non, pas, en fait, pas les bougies, quand on aura trouvé... Attends. Non, mais attends. Il faut qu'on la place, les bougies, quoi. En fait, quand on aura trouvé la pièce, il faut qu'on mette des bougies dans la pièce, et si elle éteint la si le fantôme éteint la bougie, ça sera validé. Ok, bah c'est simple, alors. Mais moi, ce qui me fait redouter, voilà. C'est ça, moi. C'est l'objectif 4. Oui, on est tous là. On a un petit peu galéré tout à l'heure. Alors je prends le bitonio. C'est un doux euphémisme. Je vais remettre le disjoncteur. Et je prends... Ok, bah moi je vais y aller à la scurie. L'appareil photo. Le petit nanote. Moi, ce que j'aime dans les maisons, c'est que c'est pas des asiles. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Ah, c'est dans la ici. C'est ici. J'ai eu next ici. Êtes-vous ici? Esprit. Voilà, température glaciale, j'ai 1 degré. Esprit, fais-nous un rap, s'il te plaît. Yo, 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 vas-y. T'es dans ta jalousie. Je suis dans ta mère, là. Je vais chercher l'arbre pour l'instant. Ah bah dites donc, madame, elle est super, votre piscine. Ce serait dommage que quelqu'un y mette du sel qui vous empoisonne. Hein? Fantôme de mes couilles. Allez, viens, je t'attends. Allez, bon. Envoie-moi un message dans le livre. Qui se manifeste, tout se pèse à jamais. Il est pas né, celui qui me fera taire. Il suffit d'un asile. Esprit, es-tu là? Je ramène les bougies, mais je ramènerai le briquet après, donc. Ah, c'est ce que j'allais te dire pour la bougie, pour le briquet. Mais comme je veux pas me séparer de l'appareil photo. MF au niveau 3, dans la cuisine, ils doivent pas être pas loin. Il connaît sa place. En plus, il y a des gens. Cuisine,
Il y a déjà deux. Oh, température glaciale. Je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pas entendu. Je l'ai dit. Hein. Et j'ai pas entendu du coup. Personne ne m'écoute. Il y a déjà une bougie sur la table. Et il y a est-ce que les bougies de la maison ça marche aussi? Je sais pas. Il y en a deux sur la table, on pourra tester. On peut lui faire une chouette petite ambiance avec toutes les bougies de la maison. Il faudrait aussi quelques roses pour mettre les pétales. L'idée, c'est pas une ambiance romantique. Bon, je prends les bougies une par une, moi. Dans l'espace, on finit de l'amour. C'est un spectre. Ok. Est-ce que vous prenez en photo le... la porte, s'il vous plaît? J'ai. C'est où? C'est laquelle que je peux prendre? C'est bon. Là. C'est bon, alors. Ok. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire le plan. Donc, maintenant, c'est ce que c'est. Alors, Bulbi, on a comment, empreinte digitale, température glaciale, spirit box, c'est un spectre. Ok. L'événement est validé. Pourtant, on n'a rien vu. Mais les bougies. Pourtant, on n'a rien vu du tout. Et le bâton d'encens. Allez, on va allumer les bougies. Alors, ramenez les bâtons d'encens et on a déjà les briquets. Loup qui pue, perdu dans le bois qui pue. Voilà, ça marche bien là, regarde ça là. On n'a pas une petite ambiance romantico là. Waouh! Vous allez lui faire peur. Comment il s'appelle le fantôme? C'est une femme. Elle a pas éteint la bougie là? Regardez, parce que j'ai l'impression qu'une bougie s'est éteinte. Attends, je vais vérifier le nom. Henri Pot de Beurre. Bougie, va. Et elle s'appelle Donald. Donald Trump. Quelqu'un veut répondre au téléphone? Ça va, quelqu'un ça va, oh! Donna Jones! Donna Jones, arrêtez d'éteindre les bougies, j'essaie de faire une ambiance romantique! Donna Jones! Mais arrêtez, mais enfin, mais qu'est-ce que là, cette femme? Votre petite frimousse! Allez! Madame Donna Jones! Ah, elle veut éteindre toutes les bougies! C'est pas votre anniversaire, madame Donna Jones, arrêtez! Ah, Donna Jones. Donna Jones, arrêtez de jeter les bougies par terre aussi. Elle les éteint, Donna Jones. Qui c'est qui a éteint toutes les bougies sur le chemin, Donna, là? Oh. Le crucifix était mangé. Putain, Donna, arrêtez, faites Donna un effort, Jones. Putain. On... Nous, on fait des efforts. Donna Jones, nous, on fait des efforts. Ça marche, pour la que... danse. Donna Jones, nous, on fait des efforts Donna pour que ce soit joli ici. Arrêtez d'éteindre les bougies. Mais putain de bordel à cul! Montrez-nous un signe, please! Donnez-nous un signe! Montrez-vous plutôt, c'est plus un signe, là, c'est vous! Montrez-vous! Donna, montrez-vous! Oh!
Arrêtez le balcon. Sinon, tu vas voir quelqu'un. Donna Jones. On est ici. Oh là. Oh punaise, saleté. Ah, on m'a dit qu'il fallait. On m'a dit qu'il fallait aller tout près de l'oreille de sa cour et faire des trucs. Elle va plus pouvoir venir. Je boude. Elle va dire, est-ce que Devil participe à cette phasmophobie aujourd'hui? Oui, je ne viens pas. Je boude. Donna, arrêtez d'éteindre les bougies, c'est relou. Donna Jones, tu n'es pas dans Mario Galaxy. Donna. Ici c'est la vraie vie. Donna Jones. Elle est timide. Montrez-vous, faites une photo et prenez un peu d'encens. Mais arrêtez de casser les couilles. Ah. Qui s'est fait eu? T'es fait eu? Ah oui, c'est Bulby. Ah oui. Et juste au moment où il disparaît, il y a eu le cadavre, enfin le fantôme qui est apparu au fond de la pièce. C'est la gamine en pyjama. C'est la gamine en pyjama. Il y a pas du. Bah en fait, il a usé son Doom déjà de base. Hein. Ah, ça c'est cool. Et Donna Jones vient de me prouver qu'elle pouvait ouvrir le placard dans lequel je me planquais. Oui, elle ouvre les placards. Bah ouais, elle passe à travers les portes, mais ils ouvrent les placards. Je me suis mis dans le placard, et là, au moment où elle tue Bulby, après elle ouvre le placard, j'aurais pu te tuer aussi. Hein. Ça n'a pas validé, je parie. Bah non. Bon, bah, je vais prendre mon Doom alors. Hein. Je vais continuer à chanter. Hein. Je vais retourner faire un concert à Donna Jones. Les petites bêtes, oui ça m'embête. Les derniers ça me fait chier, les verres de terre, je sais pas quoi en faire. Nya. Une mouche, je trouve ça louche. Et les criquets ça m'effraie. Dalou dalou lui, y a une libellule qui est entrée dans mon pull. Une coccinelle en lavant la vaisselle. Ah merde, tadadadada. Les moustiques c'est pas chic, les souris j'ai pas envie, les canards j'en ai marre, les cloportes que le lèvres emportent. Les hindons, je trouve ça con, les papillons c'est pas très bon. Les chenilles, les lucioles, les cigales, yahoo, et les puceurs. Toutes ces inventions ont été faites sans raison. Mais non, ça sert à nourrir les oiseaux. Dire qu'il y a des gens qui s'en font une collection. Et qu'il y en a d'autres qui s'en font un gueuleton. Ah, papi balou, boulalepa. Ça a marché ou pas? Ça a marché ou pas? Est-ce que ça a marché ou pas? J'espère qu'elles ont entendu au moins le bon. J'ai éloigné 4 fois là! Devil, est-ce que tu es mort? Ah non! Je me sens plutôt en forme. Tu as quand même réussi l'objectif, bravo! Ouais! Je vais pas boire en vain! Super! J'ai réussi. Je crois qu'on va pas aller plus loin. Je l'ai tellement tartiné de Doom. J'ai essayé d'avoir une photo. Non, en plus t'as eu l'os, donc c'est bon. Ouais, non, c'est bon. J'ai tellement tartiné de Doom que la plaine de sauce pita. Je l'ai tellement. Ah, alors viens voir. Nombre de chasse 2. Je l'ai tellement tartiné de Doom. J'ai tellement tartiné de Doom qu'elle était pleine de sauce pita à la fin.